Namasté, mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec le pranayama, la respiration consciente, le contrôle du souffle. Pour cette semaine où nous sommes en train de travailler la circulation de l'énergie dans le corps, je vous propose trois exercices de respiration qui sont connus comme étant les exercices de respiration qui stimulent l'activation du canal énergétique central. Nous allons d'abord pratiquer une respiration où on viendra ouvrir et fermer la poitrine. Ensuite, nous allons pratiquer ensemble Kapalabhati, la respiration de feu. Si vous vous rappelez bien, c'est avec les expirations vigoureuses et sonores par le nez, les inspirations qui sont naturelles. Et ensuite, on viendra terminer sur Nadi Shodhana, la respiration par les narines alternées. Donc un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, qu'on pratique une seule technique par jour, je vous invite à venir m'accompagner. Prenez le temps de vous installer sur votre tapis. Allongez bien la colonne, relâchez les épaules. Relâchez les muscles de votre visage. Relâchez vos bras. Relâchez les tensions. Relâchez les résistances, relâchez les obligations, abandonnez pendant un instant tout ce qui ne fait pas partie du moment présent, afin de venir vous ancrer dans votre corps et de rester sur votre souffle. L'inspiration et l'expiration. L'inspiration, l'expiration, et ce moment d'infini, ces moments d'éternité, de suspension, qui vient s'installer entre chaque inspi et chaque expi, et en même temps entre chaque expi et chaque inspi, ce moment où le souffle reste en suspension avant de redescendre ou avant de remonter. Prenez un instant pour rester nulle part ailleurs que là où vous êtes, dans votre souffle. Prenez le temps d'observer ce qui se produit dans votre colonne et dans votre buste en général. Identifiez les sensations du corps. Et si jamais vous remarquez des tensions, des douleurs, des blocages, aidez-vous de votre souffle pour vous en débarrasser, pour vous libérer. Au lieu de tourner votre attention ailleurs, restez là. Permettez-vous d'être votre propre source de bien-être, votre propre source de guérison. Quelques instants encore. En maintenant cette respiration longue, profonde, intense. Et puis doucement, je vous invite à fermer vos mains dans un point et à plier vos coudes, à porter vos bras à 90 degrés avec les coudes pliés. Nous allons réaliser cette respiration pour commencer à stimuler l'activité de notre canal énergétique central. À l'inspiration, vous rentrez aux omoplates, vous projetez la poitrine, vous portez les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, vous fermez vos avant-bras vers l'avant, vous arrondissez le dos, le regard vers le nombril. On répète 12 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis doucement, retrouvez une posture de colonne neutre. Relâchez les épaules. Et venez relâcher l'artificialité du contrôle. Retrouvez votre respiration telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle se manifeste. Soyez témoin de l'accélération du battement de votre cœur, ce qui est tout à fait naturel. Soyez témoin des sensations dans vos bras, dans vos épaules, dans votre poitrine. Et permettez ce qui est, permettez ce qui vient. Et puis, je vous invite à venir vous préparer pour Kapalabhati Kriya, la respiration de feu. Portez toute votre attention au niveau de votre nombril. Faire circuler l'énergie du Manipula Chakra vers le chakra supérieur. Ressentez l'activité de votre nombril, ce point énergétique où réside toute votre force de volonté, votre je veux, je peux. Visualisez un point de lumière jaune au niveau de votre nombril. Puis, du plexus solaire, inspirez jusqu'au sommet du crâne. Et expirez en revenant au plexus solaire. Inspirez au plexus solaire. Et venez avec moi. Expirez complet, puis inspirez. Retenez l'air à l'intérieur de vous, appliquez Mool Bandha, suctionnez vos génitaux, votre anus. Appliquez Jalandhara Bandha, rapprochez le menton à la poitrine et compactez l'énergie au niveau de votre plexus solaire. Puis doucement.
doucement et expirez. Retrouvez une respiration longue, une respiration profonde. Et observez ce qui a changé en vous, observez la force de l'activité de votre nombril, sa puissance. Observez les battements de votre cœur, la température de votre corps. Observez cette sensation peut-être de clarté mentale. Et puis venez porter votre main gauche en Shin Mudra, index et pouce qui se touchent sur les genoux gauche. Votre main droite en Vishnu Mudra. À partir du point, vous ouvrez uniquement l'annulaire, l'auriculaire et le pouce. L'index et les majeurs restent pliés vers le bas. Venez vous préparer pour Nadi Shodhana. Nous allons inspirer par la narine gauche sur 6. Retenir le souffle en bouchant les deux narines sur 3. Et expirer par la narine droite sur 6. Reboucher à nouveau les narines en gardant l'air à l'extérieur de nos poumons sur 3. Puis à nouveau, on inspire par la droite sur 6. On retient l'air à l'intérieur sur 3. On expire par la gauche sur 6. Et on retient l'air à l'extérieur sur 3. Laissez-vous juste guider par le son de ma voix. Avant de commencer, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par les deux narines. Puis bouchez la narine droite et expirez par la gauche. Et on commence. Gauche à inspirer. Retenez. Droite et expirez. Retenez. Droite in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite in. Retenez. Gauche ex. Retenez. Gauche in. Retenez. Droite ex. Retenez. Droite in. Retenez. Gauche ex. Retenez. Gauche in. Retenez. Droite ex. Retenez. Droite in. Retenez. Gauche ex.
Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez.
gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gauche, in. Retenez. Droite, ex. Retenez. Droite, in. Retenez. Gauche, ex. Retenez. Gardez les yeux fermés, relâchez votre bras droit. Retrouvez une respiration longue et profonde par les deux narines. Telle qu'elle se manifeste ici et maintenant. Et tout simplement, restez dans cet espace intérieur que vous avez cultivé. Espace où se manifeste votre je un peu plus élevé, votre je qui est en connexion avec tout ce qui l'entoure. Restez dans votre souffle un instant. Offrez-vous ce moment de pause, ce moment de présence. Ressentez comment le prana circule en vous, dans votre buste, dans vos bras, dans vos jambes. Puis venez porter vos mains jointes au centre de la poitrine et prenez un instant pour vous remercier. Namasté, merci beaucoup pour avoir réalisé cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous a fait du bien, comme d'habitude, pratique à répéter, répéter, répéter toutes les fois que vous en aurez envie. Je suis vraiment reconnaissante et je vous dis à la semaine prochaine sur les tapis.